On est bon pour moi aussi derrière. Ok. Légère amplification. Ok. Alors, je vais te mettre la tisse, hein, ça voudra bien démarrer. Pour l'instant, je suis obligé d'attendre. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonjour, c'est Mion Comment, l'information Charlie, enregistré 738 TC, procédure RNP, c'est d'une VPT, la piste 35 est en service, RCC tous les 6, le vent 320 degrés, 16 à 20 nœuds, conditions cavoquées, température 21, point de rosée 11, QNH 1014, unité 0, unité 4, formé Mion, premier contact que vous avez reçu Charlie, merci. Mon nom c'est Mion Comment, information Charlie, code état 0730. Il y a plein d'oiseaux. Ouais, j'ai vu ça, tu leur fais peur en plus. J'espère. Eh ben c'est dégageant Charlie pour Fox. Allez, à plus tard. Tout de suite. Donc là, j'ai recalé mon QNH à 1014. Hein. On va attendre de toute façon que le moteur chauffe. Donc là, ça fait une minute. Je peux monter les tours maintenant. Ouais. Attends, regarde. Hop. Là, tu verras ce que tu filmes. D'accord. Donc là, on est là. Il est équipé des sauvages. Voilà. On est tous là. Alors, destination. Ah, mais c'est un peu la radio. Voilà, donc Tango Novembre 172, hein, les pleins sont faits. On est en train de faire chauffer le moteur. On va appeler la tour pour le roulage, hein. Enfin, le sol et la tour. Après, voilà. Donc, le tableau de bord, assez classique, hein, avec les instruments traditionnels. On a un VOR 1 et un VOR 2 sur cet appareil. Puisqu'on a ici le NAV 1 et ici le NAV 2. Voilà, le transpondeur. Un GNS 430, hein, de ce qu'il y a de plus classique. Hein. Hop là! Et cette année, pour changer, on a la GoPro qui est fixée directement au plafond. En espérant que ça se passe bien. Oh bah oui, oui. Ah, j'ai remarqué que des fois, tu peux avoir des surprises. Hein. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est haute. Donc normalement, tu dois voir loin devant aussi. Alors, tout dépend la prise au point. Si tu fais moite-moite, ouais. Ça va. Si tu fais un peu trop bas, lui il va être nickel, mais derrière là tu vas faire masque tout blanc. Ouais, c'est ça le problème. Donc à la limite il faut monter, pas hésiter à monter parce que sinon tu auras toujours du blanc là, tu verras rien. Ouais. Tu vas faire la mise au point sur le foncé. En fait c'est soit tu filmes les instruments, soit tu filmes la vue de devant. Tu peux pas avoir les deux. Surtout que là le temps va être clair, là c'est ça c'est blanc sur Montpellier. On va peut-être vite fait un petit, on va voir si on peut faire un petit plein de vol vite fait. Alors, on va sortir, j'ai dit un Sierra Whisky. Sierra Whisky, MV. Voilà, passager attaché. Ouais, ils l'ont même pas rentré quoi. Ouais, ils ont pas rentré les points. Bon, bah laisse tomber la neige. Allez, hop. Donc on va sortir Sierra Whisky d'Avignon, de là on va tirer droit sur la Camargue qu'on va traverser avec Nîmes-Garon. On va passer le point Alphamaïque, hein, qui est la Aigue Morte, la ville fortifiée. Et après on prendra le transit de la Saint-R de Montpellier et Coroméo Sierra jusqu'à la ville de Sète. Hein. Ouais. De là on va longer le littoral sur Marseillan et arriver au Cap d'Agde, qui est le point Sierra Eco de Béziers. On va tirer droit. Sur Port-la-Nouvelle parce que si on revient faire le golf là vers Valras plage bon ça rallonge un peu, ça n'a pas trop d'intérêt quoi. Voilà, donc on arrivera au point Novembre Lima de Perpignan. Après on passera Eco qui est carrément le travers de l'aéroport mais au long de la côte, hein. Et selon le vent, selon le temps, puisque sur la TMC il y a marqué qu'il y avait des turbulences, donc en fonction d'eux. Soit on va tirer le trait de côte jusqu'à la frontière et puis on va revenir par la Pyrénée. Soit on prend le trait de côte et arrive à la frontière, on refait demi-tour et on refait dans le trait de côte dans l'autre sens. Parce que j'ai vu qu'il y avait des stratocumulus à partir des... Ah bien, il faut que j'ai les mains, on a une restriction d'altitude ou non? Des broken à 2000 pieds, donc ça risque d'être accroché. Voilà, on verra. Donc soit ici, effectivement, on arrive ici. Et on fait la boucle par les Pyrénées. Là, il y a les tours génoises, là, c'est très très haut à faire. La Massane, etc. Ou alors, on fait demi-tour à la frontière et hop, on refait dans l'autre sens et on revient à se poser. Ça va dépendre du vent et surtout des nuages.
Ah. Parce que sur la TMC, j'ai là. Là, on voit sur la TMC que alors, Perpignan est là, quoi, quasiment. Hein. Ouais. Et là, on voit qu'il y a une zone à la, de merde ici, là, et on voit que ça bouge à partir de 3000 pieds, quoi. Tu vois, stratocumulus de 3 à 6000. Donc, si c'est accroché sur le relief, sachant que là, on va être à 1000 pieds mer pour que ça soit joli, bon, on va monter. On verra si on peut passer au-dessus ou pas. Ok. Ça, c'est. Oui, le stylo. Oh putain. Ah putain, alors ça aussi. Ça, c'est ma tisane là, le stylo. Bon, je vais faire tourner un peu le moteur là, parce que sinon il sera chaud. Là. Ce matin, il fait bon là, c'est agréable parce qu'il fait pas trop chaud. Justement, tiens, je vais tester mes boulets. Verrouillé, ouais, plein volet, ça calme, hein. C'est un mur. Hein. Tu vois les volets, tous les trois, ouais, ça freine. Hein. Ok, donc là j'attends que la température de l'huile soit bonne et après je pourrais commencer à appeler la tour. On va rouler certainement, bravo, on remontera la 35. On voit que la manche est quand même pas mal tendue. Ouais, merci. Alors la manche, ah ben oui. Ouais, il a annoncé 16-29. Ouais. 16 rafale 20, c'est ce qu'on devrait avoir à Perpignan. Rafale 25 non? Ouais, 25 à Perpignan, ouais. Bon. Ça serait-il pas un mounet ça? Un broudeux? Un mounet. Devant là-bas, si, ouais, ça y ressemble. Hein. De les voir en virtuel, cela tu finis par les reconnaître. Ouais. Alors, on est parti, c'est bon. Bon, allez, on est beau. Avion Sol, Fox Tango Novembre, bonjour. Avion Novembre, bonjour. Fox Golf, bravo, Tango Novembre, Cessna 172 au parking Aéro Club. On souhaiterait avoir les consignes de roulage pour un vol à destination de Perpignan, 3 personnes à bord. On a pris l'information, Charlie, ce serait une sortie Sierra Whisky 2000 pieds. Bien, roulez bravo, 70-40 au transpondeur, Tango Novembre. Bravo, 70-40 au transpondeur, Tango Novembre. Ouais, de bien nouveau. Donc on va prendre le bloc. 10h06, bah c'est pas mal. Ouais. Ah, par contre j'ai pas pris le rodateur, bon 340 693. Ça c'est important parce que si celui qui a volé avant il a mal renseigné, il a pas rempli, ouais. C'est comme un fruit après. Allez, ça c'est bon. Ok, bah allez c'est parti, on va attaquer le roulage hein. Le feu de nav il est bon. Personne, sécurité, frein de parc coupé. Va aller refouler le la 22 là-bas, le Piaggio, tu vois, celui qui a les hélices propulsives derrière. C'est un avion italien ça, c'est la 22 chez Piaggio. Non, il va se garer. Bon, ok. Ça fait un raflu ces avions là. Il manque en roule parce que ça pue le diesel là. Alors là c'est la manche, ah ouais, c'est le truc putain, la gueule de l'avion là, quand tu vois ça, ça te fait rendre malade, des gens qui prennent pas soin des trucs quoi. Donc là tu sais, tu choisis la bouche d'air que tu veux, tu fais. Donc l'air qui sort, hein. Alors soit tu rentres t'en as plus, soit tu le sors un petit peu, et tu te le diriges comme t'as envie quoi. Je vais ouvrir parce que ça pue. Hein. Alors. On va faire les essais moteurs. On est au ralenti, c'est parti. Tester la chaîne B. Tester la chaîne A.
Donc en fait là il joue sur le pas variable de l'hélice hein, puisqu'il y a un FADEC là-dessus, donc la gestion du pas variable gérée par les ordinateurs de bord. Voilà, donc là il a fait ses checks. Bon. Il se fait automatiquement. Voilà, ouais. Il teste la chaîne B, la chaîne A. C'est pour ça que les tours ils montent et d'un seul coup, juste avant de caler, hop, en fait il se met en grand pas. Ok, ça c'est bon, là on est bon. Taxi light c'est bon. Ça c'est ok, le réchauffe plutôt c'est sans objet aujourd'hui. Les breakers sont bons. Là on est bon, on passe ici. Je vais régler Nimogaron, comme ça ça sera fait. 123.2 ouais, bah, c'est chez toi ça en plus. Ok. 2. A bientôt Tango Novembre au point de l'attente. Bravo, on est prêt à remonter la 35, ça y est. Tango Novembre, remontez, alignez-vous à peu près. On remonte la 35, on s'aligne dès que près, Tango Novembre. On a notre crâne volé. Et recaler ça après. Pas du tout calé. Ouais, donc une quinzaine de nœuds constants là-bas. Ouais. Bon, ça va nous aider à décoller. Ouais. 540 mètres à droite. Mais ça a pas l'air comme ça. Ouais, ouais. Tu vois bien les papilles là, dis donc. En principe, on en a assez pour décoller, hein, 540 mètres. Le terrain est pas très haut ici, hein, 120 pieds. Une grosse bête là-bas. Ça. Bon, aujourd'hui... Ah oui, la bête, je vois, oui, là, il est écho. Ah oui. J'ai une blessure sur la piste de moi, quoi. Le big hélico, ah ouais, il est beau celui-là. Hein. Ouais. Alors, il est où cet animal? Hop, ah, yeah. Regardez la trace sur l'air. Ah ouais, ouais. Alors les caps à droite, hein. Marge à droite, hein. Les caps augmentent. Hein. Et à gauche. Hein. Oh, ça c'était pas prévu. Alors là, sur pied, sur l'air c'était donc la stock là, ouais, ouais. Ah, c'est archaïque, hein, mais bon. Hein. Alors la finale est dégagée, on va s'aligner. Je vais recaler le conservateur de cap. Hein. Alors 350, ok, puis il a toujours les 10 degrés d'erreur, ça n'a pas changé, 30 volets, ok, les portes fermées, verrouillées, on est bon là, un passager attaché, réglé. Allez, à bientôt, Tango Novembre, allez, piste 35, on est prêt. Tango Novembre, Tango Novembre, piste 35, autorisé décollage devant 310 degrés, 14 à 22 nœuds, rappelé, sortie de zone, Sierra Whisky. Autorisé décollage de 35, on rappelle, sortie de zone de Sierra Whisky, Tango Novembre. Allez. C'est parti à 10-13. Ah, la puissance est affichée, le badin bah, il est actif, ça y est. On poursuit le décollage. Pas d'alarme. Tonnes rotation. On a décollé 500 mètres. Ah oui, tu vois, hein, je t'avais dit, hein, ça décolle au court. Hein. On a un petit vol légèrement de travers. Hein. On va monter les 1000 pieds, puis après ça va aller. Là, c'est le RTE pour les Airbus, les hélicoptères Airbus de l'Électricité de France. Tu vérifies les lignes de tension. Là, on va passer là, ouais. Ok.
Oh là, ça c'est de l'éclairage. Bon, tu as pu constater que la tour d'Aramon, ils nous ont enlisé un morceau quand même. Ben ouais. Ils ont pitié, hein, ils ont pas voulu nous l'enlever. Ils se sont ratés ces cons-là, quoi. Oh, les boulets, quoi. C'est incroyable, ça. Alors, ici, c'est le premier virage, il est à 1000 pieds, ou après la ligne de chemin de fer, quoi. Ouais, ça la fout mal cette tour quand même. Ouais. C'est-à-dire le gars qui était responsable de la destruction, il a dû se faire engueuler. Hein. Bon alors là ça va être bon, on va aller chercher Sierra Whisky après Banzai. Hein. Là il faut éviter ce qu'on voit à gauche là, c'est l'hôpital de Montfavier. Là où il y a l'église en plein milieu là. Tout ça c'est l'hôpital. Donc évidemment il faut éviter le survol. Ah ben non, je ne reçois pas votre transpondeur. Ah, excusez-moi. Transpondeur ALT activé, Tango Norma. Parfait. Ok, vous montez à quelle altitude? Bon écoutez, on va prendre 2000 pieds pour débuter, puis après on verra avec Nîmes après. Super. On rappelle Sierra Whisky à 2000 pieds. Voilà. On va essayer de chercher un peu d'altitude, hein. On sent qu'on est un peu lourd. Hein. Bah du coup, là t'as qu'à le prendre, hein, c'est bon, hein, moi. Service plus c'est droit devant. Hein. Voilà. Hein. Alors, fuel pump sur off, décollage feu sur off, les volets sont rentrés. On va essayer de poursuivre la montée à 89, ça serait pas mal en vitesse de montée. Pour aller chercher 2000 pieds. Comme ça on sortirait de ces basses secousses, hein, qui sont un peu dégueulasses. Hein. Donc le palais n'est pas à droite ça. Donc là à droite on a la ville d'Avignon hein, dans toute sa splendeur avec le palais des papes, la grande roue là-bas qu'ils ont mis au bord du Rhône. Et de l'autre côté c'est Villeneuve-les-Avignons c'est ça? C'est ça ouais. Villeneuve et les angles à gauche et Villeneuve à droite. Hein. Et je crois que je vois le château à droite là-bas. Ah oui c'est un peu plus loin que ça Villeneuve-les-Avignons. Voilà. C'est ouais. Pas le premier, c'est celui qui est un peu plus loin là-bas. Le Fort Saint-André ouais. Exact. Ah, ça fait une belle vue là, c'est cool hein. Ouais ça va, c'est dégagé hein. Moi, ouais, je crois que c'est Beaucaire là-bas non? Ouais, Tarascon Beaucaire. Les éoliennes c'est Beaucaire ça? Ouais, exact ouais. Bah tu vises entre les deux en fait. Sur Whisky, c'est le village qui est à gauche là. Bon, on est pas obligé de passer vertical hein. Tu peux passer de travers hein. Et au fond là-bas à droite, là, la barre rocheuse qu'on voit c'est le mont Bouquet. Ouais. C'est ça. Ouais, mais alors pour aller l'attraper, le bon bouquet au zoom là, pas tout de suite. Alors on va rester comme ça. Bon, on y est passé là-bas ce matin, tu vois. On est à côté. Bon. Eh ben, on va se remettre en mode normal là. Merci monsieur, bonne fin de journée ce soir, au revoir. Ah, il en reste 2000 pieds. Tu disais 2000 pieds. Ouais, c'est bon, de toute façon, ouais. On va se passer le zob. Hein. Après, il faut réduire à 80% quand t'as un palier. Caron, bravo Juliette, en rond arrière 36, main gauche pour une option. Je me suis mis avec Nima déjà. Donc c'est bravo Juliette, numéro 1, rappelé final 36.
Bravo Juliette, je rappelle final 36. Ah, 36, c'est où ça 36? Hein? C'est où la 36? Le 36? Non, il dit final 36. Ah, c'est Garon, à Garon ça? La 36. Ah, Garon. Je suis passé avec Garon, ouais. Bon, alors. Garon, c'est comme à Courbesac, on a la 36 et la 18. Ah oui. T'as Rémi en dessous là. Le contrôleur suivant, c'est quoi la norme habituellement quand on change de contrôleur? On les appelle à quel moment les contrôleurs? Tu l'auras pas sur la carte. Ah, en fait, là, on est commun sur là. Ah là? Alors, au niveau de drone, non? Ouais, putain, mais je reçois faiblement. Ouais. Alors, comment faire pour monter le son? Ben, je suis à fond, c'est pas grave. En fait, c'est 3 minutes avant. Avant de rentrer dans une zone, tu dois les appeler 3 minutes avant. Alors évidemment, s'il y a beaucoup de trafic, ces 3 minutes, ça te laisse le temps de les appeler avant de pénétrer la zone. Mais il ne faut pas pénétrer avant de les avoir appelés. C'est toujours 3 minutes avant, ouais. Voilà, d'accord. Bon, ça sert à rien de les appeler un quart d'heure avant, mais 3 minutes avant, c'est bien. Si pour un réseau une autre, là c'est de la classe Delta. Hotel Delta, Golf Juliet, number 2, preceding traffic, TR-400 on base. Ça veut dire que si on n'arrive pas à placer une avant de passer le rond, on se met à 360 de retardement. On n'a pas le droit de pénétrer la zone sans l'accord du contrôleur. Là, je pense qu'il y a un Ryanair qui va arriver. Lima Garon, Fox Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, bonjour. Bonjour madame, Fox Golf Bravo, Tango Novembre. Cessna 172, 3 personnes à bord. En provenance d'Avignon, à destination de Perpignan. On est à 2 minutes de Bravo Charlie pour entrer dans vos zones, un transit. Bravo Charlie, Alpha Mike, 2000 pieds, QNH 1014 pour nous. Tango Novembre. Il faut que ce Tango Novembre identifié, 54-56 au transpondeur, transit approuvé à 2000 pieds, QNH 1014, rappelé 2 minutes avant la verticale de Garon. 54-56, 2000 pieds approuvés, on rappelle 2 minutes avant la verticale de Nîmes-Garon, Tango Novembre. Donc, Nîmes-Garon, on va aller en gare à droite là. Ouais. Pour une option. Fox Bravo Juliette, piste 36, autorisé toucher, vent 330 degrés, 10 à 15 nœuds. Ça, il va être content pour toi, il prend ça de toucher, on rappellera vent arrière, main gauche. Affirme. Golf Juliette, report final 36, still number 2, preceding traffic, very short final. Number 2, Fox Bravo, hotel number 2, and then report final. Garon de Fox Bravo Uniforme Papa Lima, bonjour. Bravo Uniforme Papa Lima, bonjour. Fox Papa Lima, bonjour, un DR-400, deux personnes à bord, en prenant de Courbesac à destination de Courbesac après un vol local en sortie du champ. Bravo Charlie. Le sud des essais de Nord-Alès entre 2005 et 3500 pieds avec le barrage, c'est Bravo Charlie. Ok. C'est un point d'entrée ou de sortie. Tira 2500 pieds approuvé, QNH 1014. 54-57, Charlie Sierra 2500 pieds, QNH 1014, Fox Papa Lima. Il y a la maison d'arrêt là-bas. Donc Tarascon à gauche, Bouquer à droite. Oui, ici à Juliette, pour de nouveau pénétrer dans le 7R pour faire le tour de Nîmes par l'ouest et commencer par le Et là-bas, c'est Arla. Ouais, Juliette, 54-50 au transpondeur, c'est bien reçu pour les intentions et vous me rappelez donc à l'issue du tour par l'ouest de la ville de Nîmes pour réintégration de Courbesac. On rappelle 54-50. Alors là, je suppose que c'est Juliette, And Fox Hotel Delta, Golf Juliet, runway 36, clear touch and go, wind 340 degrees, 7, maximum 15 knots. Juliet, clear touch and go, runway 36, Fox Hotel Delta, Golf Juliet. Vas-y, vas-y. Parle pour moi. On m'entend pas? Ici, mais difficilement, genre. Ah ouais, ouais.
c'est les appareils de Pascal qui atténuent le son. Parce que là j'ai le volume à fond. C'est bizarre parce que j'entends bien tout le monde, moi. Ah ouais, mais on entend super faible dedans. Là je t'entends, mais quand tu appuies sur l'alternat, par contre j'entends plus quand tu parles. Ah oui. Bon, là on voit bien le terrain de Nîmes, là, hein, c'est parfait. Tu vois, elle a dit rappeler deux minutes avant la verticale, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas un trafic qui soit dangereux. Bon, nous on a 2000, donc on est au-dessus du tour de piste, donc on est bon. Après, l'intérêt, tu vois, des logiciels comme SDVFR, tu peux rajouter une courbe de tendance devant l'avion. Tu sais, ça te rajoute un petit vecteur dessiné devant l'avion, ouais. Et ça te permet de... Voilà, tu l'as. 3, 2, 3, 5. Donc là, on est à 4 minutes. Ouais, ouais. Donc quand le petit 2... Bonjour, je suis au but de l'intérieur 36-5-2. Ça y est, si j'ai touché, ce sera un retour sur côté. Ça ne sert rien du tout, là. Le son est pourri, hein. Ah ouais, là je comprends rien. Fox, bravo Juliette, bien reçu, numéro 1, rappelé final, piste 36. On va y arriver. Je crois que c'était moi. Ah oui, Juliette, bien reçu, final 36. La tour. Garon de Fox à Palima, vertical, Charlie Serra, Liveron, 2067 pour qu'il ait. Ah, le son il est pourri. Fox, Papa Lima, transpondeur 7000, fin du service de contrôle, au revoir. Transpondeur 7000, quittons la fréquence, c'est la Fox à Palima. Donc là, tu peux oublier de quelques degrés à gauche, là. Comme ça, on aura la piste sur la droite, hein. Voilà. Là, c'est parfait, là. Voilà, nickel. Habituellement, quand on te dit appeler verticale installation, ça veut dire tout simplement appeler verticale tour. Tu vois. Après, on peut demander de passer au seuil 36 ou au seuil 18. Ça dépend. Si par exemple il y a un avion, un gros qui se pose, un liner, qui se pose en 36, elle va nous demander de passer vertical au seuil 36. Voilà. Vertical quoi? Au seuil de la 36. Ah oui. Du côté où il va se poser. Parce que si rentre en approche, il aurait fait une remise de gaz, et que nous on est au milieu, on pourrait être sur une trajectoire convergente à sa remise de gaz. Bon, on est pas mal, on est à 32, bon bah voilà. Ah, on est quasiment à 2 minutes. Voilà. On arrive à 2 minutes de l'installation. De Fox Tango Novembre, on est à 2 minutes verticales des installations de Garon, on est à 1900 pieds, QNH 1014. Et Fox Tango Novembre, donc maintenez cette altitude, verticale approuvée au niveau du seuil 36 si possible, et vous me rappelez en sortie de CTR. Et on avait anticipé madame, seuil 36, on rappelle en sortie de CTR, on maintenez cette altitude. Et on rappelle en sortie de CTR. Ça va le rendre. Voilà, donc il retourne en 36, donc on se pose toujours, on va passer vertical 36. Donc ça fait une remise de gaz, le mec il nous en plafondera pas. Je pense que vous avez le Juliette, on l'a pas en train de Fox Golf Juliette number 2, preceding traffic on short final, DR400, report final. Alors, vous allez voir, devant les hangars, on commence à les voir, tous les pélicans, ils sont là, ouais. Ils sont là-bas. Et là on va commencer à choper la tramontane là. Donc on va avoir du vent de travers maintenant tout le long. Alors 118-775, je vais préparer la fréquence de Montpellier. À cette altitude on ne devrait pas passer avec le SIV, mais on devrait passer avec la tour de Montpellier. C'est pour ça que je prépare la tour. Fox Golf Juliet number 1, report final 36. We're number 1, report final runway 36, Fox Hotel to the Delta Juliet.
Ah, t'as une ribambelle d'appareil là, hein. Tango novembre, information d'un trafic à vos midi pour 2 nautiques 700 pieds bas. C'est un DA40 dans le circuit de Garon. On a visuel Tango novembre, on ouvre l'œil, mais on a visuel. C'est parfait, alors gardez bien les yeux ouverts. Tango novembre, rappelez la sortie de CTR. On rappelle la sortie de CTR, Tango novembre. Got Juliet traffic information, 10 o'clock, 1 nautical miles, 800 feet above. Cessna 172 has, can see you. Fox Hotel, Got Juliet has traffic in sight. Okay, roger, Got Juliet, report final. Now reporting final, Fox Hotel, Got Juliet. À 0 Juliet, simplement, je vais vous signaler qu'il y a beaucoup d'oiseaux en finale et en banque initiale. Bien reçu, je vous remercie pour l'info, bravo Juliette, et vous me rappelez pour quitter avec Corsa. Je vous rappelle pour quitter, bravo Juliette. Golf Juliette, for your information, the preceding traffic just said he saw a lot of birds on final 36 and then on initial climb. Copy that, Fox Hotel Delta Golf Juliet, and we are on final runway 36. Fox Golf Juliette, runway 36, clear touch and go, wind 320 degrees, 10, maximum 15 knots. Alors on peut aller chercher Alpha Mike, c'est dans le prolongement du canal que tu vois là. Je le vois, ouais. Voilà. Bon alors on va saluer Roland de l'escadrille Fox, qui habite dans les parages. Je cherche où? Un village par là. Un peu plus loin à gauche je pense. Hein. C'est quoi? Roland, de l'escadrille Fox. Habite dans le secteur. Ouais. Fox Hotel Delta Golf Juliet is going around. Fox Hotel Delta Golf Juliet report left hand downwind. Fox Hotel Delta Golf Juliet request to leave CTR at Echo Tango. What altitude do you want? Altitude 1500. Roger, report Echo Tango 1500 feet. Report Echo Tango at 1500 feet, Fox Hotel Delta Golf Juliet. Garon, bravo Juliette, en vue de courbe 5. Bravo Juliette, transpondeur 7000, fin du service de contrôle, au revoir. On va arriver à travers Echo Tango à un moment donné. Tu vas le voir sur ton log là. Garon, bravo Juliette, là. Merci, au revoir, merci beaucoup. Echo Tango ici, tu vois. Echo Tango, celui-là. Là, là, regarde, et là, ici, voilà, Echo Tango, sur notre gauche, là, voilà. Donc, Echo Tango, on va quitter Garon, on va passer à Montpellier, pour Alpha Mike, c'est sur Montpellier, quoi. Hein. Donc là, c'est parfait, enfin, on en devait faire, hein, on n'est pas non plus... On arrive sur les deux étangs de Saint-Gilles, là, à gauche, là. Au fond, là-bas, on voit Port Saint-Louis-du-Rhône. Avec Marseille tout à fait au fond. Et là devant nous, on voit au fond 7. La première montagne c'est 7 et au fond c'est le Cap d'Agde qu'on voit déjà. Tout à fait au fond là-bas. On a une visite de 50 km. Bonjour, Fox Golf. Et là à gauche, tu as les étangs de Saint-Gilles. Fox Golf, X-ray Delta, bonjour. Toute la Camargue là, là tu la vois en entier. Hein. Fox Golf, X-ray Delta. La Camargue officiellement commence à partir du Rhône qui est là, tu vois. Le petit Rhône qui est là. Et tout ce qui est là-bas, c'est la Camargue. Fox X-ray Delta, identifié 54-51 au transpondeur. Transit approuvé, rappelé en vue de courbe 5. 54-51 en profondeur, transit approuvé, je rappelle courbe 5, Fox Golf X-ray Delta. Fox X-ray Delta, combien de personnes à bord? 2 personnes à bord. Reçu.
Fox Tango, novembre, transpondeur 7000. Montpellier Info disponible sur 125 650 pour la suite, au revoir. Avec Montpellier sur combien on avait dit ? 125 650. 125 650 avec Montpellier, merci madame, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir, merci à vous. On va parler avec eux. Je viens préparer l'autre, 118 75. Montpellier Information, Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour Tango Novembre. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo, Tango Novembre, Cessna 172. Trois personnes à bord, on est à 2 minutes du point Alpha Mike, en provenance d'Avignon, destination de Perpignan, libéré par Nîmes-Garon, 2000 pieds, transpondeur 7000. On aurait souhaité transiter la CTR de Montpellier sur un Alpha Mike Sierra Whiskey, Sierra Fox. Tango Novembre avec 5403, le QNH 1014. Vous me rappelez la Grande Motte avant de croiser les axes. C'est bien pris monsieur, 5403 rappellera la Grande Motte avant de croiser les axes de Montpellier. Fox Tango Novembre. Fox Novembre Golf en vue de l'installation pour quitter la fréquence. 7000 Novembre Golf, vous pouvez quitter, au revoir. Merci, bonne journée. Donc là tu peux aller, soit tu... Ouais, tu peux aller chercher la... C'est pour... Pour le sens à l'ouvrir à l'angle pour filmer à gauche, hein. Donc tu peux tirer la Grande Motte direct là. Ouais. Donc Alpha Mike et Grande Motte, avant c'était Golf Mike. Et là c'est Eco Romeo. C'est les immeubles que tu vois en escalier là. Voilà, t'as la tour Carbonel là qui est juste en bas. Ouais, exactement. Bravo deux fois, c'est à Wi-Fi 1000 pieds, 7 et retour complet secondaire. Quelque part par ici, Eric. À rappeler 7. Je rappelle à 7, bravo deux fois. On salue donc également. La tour de Milan, pour information, la relève est effectuée pour procéder sur le chemin de ronde du CTR. Un autre pilote qui cache dans le secteur aussi. La ronde Milan. Ouais. Ah, il y a un autre pilote qui cache dans le secteur aussi. Mais il est avec nous. Oh. Ouais. Donc là, on arrive sur la grande. C'est Milan avec liberté de croiser les taxiways. Les taxiways au niveau du chemin de Péril-Alimani. Ah, tiens, ma tour Milan. Ah, je me dis, elle est où alors? Ça y est. Ah, ça c'est... Ça c'est chouette ça. Ça c'est beau ça. Ah, c'est chouette hein. Et si t'as la mort, tu me dis, je te prends les commandes, si tu veux faire des photos ou quoi, hein, faut pas me... Ouais, je les récupère après les photos, de toute façon, c'est pas grave, ça. Mais c'est vrai que c'est pas de rouler, quoi. Montpellier Information, Fox Tango Hotel Delta Golf, tu es scruté. Kurt Juliet à Colibac. Donc là on a passé le point Alpha Mike. C'est le donjon qui est à gauche là. On va arriver sur la grande monde. Juliet, Cook 501, confirme un noir requested. Cook 501, and we are going to Montpellier, maître is on right. Toujours aussi beau les jolies couleurs. Right base, right. Ah, les couleurs, c'est joli, hein. Là, on voit le terrain de Montpellier-Candillard à droite. Hein. La piste, elle est là. Turning right hand base, runway 30 right, Fox Hotel Delta Golf Juliet. C'est la grande botte là.
Alors, là devant la grande bande à gauche, là c'est le Gros du Roi. Ah, le Gros du Roi, oui. Et dans l'anse là-bas, c'est Port Camargue, avec la Grande Marina. Donc, Port Camargue, Gros du Roi, et là on arrive sur la grande bande. Avec les bâtiments en pyramide, qui sont typiques d'ailleurs de la Bravo. Français 88, 45, bonjour, autorisé atterrissage 30 droite, 310 degrés, 21 à 25 nœuds. Autorisé atterrissage 30 droite, François 88, 45. Ah merde. Alors, hop. C'est des années 70, je crois, ces bâtiments en dessous là. Ouais, même un petit peu avant, ouais, 70, on va dire. C'est sur l'impression de De Gaulle. Ouais, c'est De Gaulle qui voulait faire. Le 2 novembre, vous ferez un 360 par la droite pour laisser passer un 737 en finale. En novembre, on est vertical, aigle morte, 360 par la droite pour laisser passer un 737 en finale, en novembre. Allez, c'est parti. 360 ? Ouais. Tu le vois, il est là-bas le 737, tiens, regarde. Ah oui, c'est bon, ouais, voilà. Joli. Voilà. Bon, ben, il n'y a pas que dans le simulateur que ça arrive, ce genre de choses. Hein. Ah ben oui. Attends, on va jouer à côté des... Candiargue. Ouais, voilà, là, on a Montpellier et Candiargue en face, là. Ça y est, je l'ai chopé plein cadre. Et tiens, bon moment, vous reprendrez le transit le long de la côte derrière. Derrière le trafic, on reprendra le transit côtier, c'est ça, t'as le moment? Oui, affirme. C'est bien pris, c'est noté, monsieur, on a visuel, hein, sur l'avion en finale. Parfait. Montpellier du Fox Hotel Papa Sierra Tango, bonjour, en Lima IDT. Montpellier là-bas, regarde. Bonjour, c'est un Tango, 30 gauche, autorisé décollage, 300 degrés 18 à 20. Le terrain de Candiargue, tu le vois là? Pour les tours de piste main gauche. Ouais, ouais. Il y a une bonne idée d'arriver à ce moment-là, lui. Fox Sierra Tango. C'est mon premier terrain, celui-là, en nav solo. Pareil. Premier goudronné, ouais. Vas-y, tu continues tranquille, hein. Ben, c'est bon, il est passé déjà. Hein. Tant qu'on y arrive dessus. Devant tout au bout. Voilà, le 737 passe pile poil au-dessus de la lagune là. Hop, ça y est, il est passé au-dessus du canal. Vu, ouais, j'ai vu. Fox India Romeo, descendez 1500 pieds le long de la côte pour Candiargue. 1500 pieds le long de la côte pour Candiargue. C'est parfait tout ça. Méthode. Bravo deux fois à 7000 pieds, quelques évolutions et un retour secondaire ensuite. Il est en train de se poser le 737 là. Aussi, bravo deux fois. Touché, je rappelle, c'est la whisky, bravo deux fois. On passe à la grande motte là. Ça c'est du repère VFR ça. Ah oui là, je peux pas te tromper là. Ça y est, il atterrit. Donc là, il faut rester sur le trait de côte en fait. Et on est bon. Sinon, on va rentrer dans le circuit de tour de piste. Enfin, on est mis peu au-dessus. Hein. On fait des bateaux là-dessus. Hein. Ouais. Donc là, on va arriver sur Cardon, Palavas. C'est la première colline là-bas, on voit. 7, la première colline. Alors la première colline, tu parles, c'est 7, ouais. Ouais, ouais. Et au fond là-bas, celle d'après, c'est le Cap d'Agde. Donc nous, là, on suit le trait de côte. Hein. Après, on passera avec Béziers. Ouais. Après 7, on va passer avec Béziers. Encore que Béziers, non, c'est au-dessus de 1500. Si on reste à 2000, on n'aura même pas besoin. On va rester à Montpellier avec le SIV, ouais.
En droite, t'es libéré, François, avec le 3845. Avec le sol 21955, au revoir. Fox Sierra Tango en milieu de vente arrière pour une option tente gauche. Je vous rappelle. Tango Novembre, midi, de nautique, route opposée, 500 pieds bas, un Piper 19. On ouvre l'œil, Tango Novembre, je n'ai pas encore le ciel. India Romeo, midi, de nautique, route opposée, 500 pieds haut, un Cessna 172. On a visuel, on va faire à droite, avec l'air. Ok, comme vous voulez. Parfait. Sierra Tango, numéro 130 gauche. Fox Sierra Tango, numéro 130 gauche. Fox Cap Juliet, number 1, trésor right. Fox Cap Juliet, number 1, trésor right. On s'attrape maintenant à 2000 pieds de Pénin. On est 500 pieds au-dessus du tour de piste. Ouais, tranquille. Mais au plus, quasiment 1000 pieds au-dessus du tour de piste. Donc on est serein au niveau de la séparation, quoi. Et Dino Romero, c'est croisé pour prendre direct sur Cambiarg et passer avec eux. Allez-y, India Romeo en direct sur Candiac. Maintenez 1005 pour le moment, il y a du trafic en circuit de piste main droite, 30 droite. Faut pas confondre le taxiway. C'est bien, c'est en ferme 1005, ouais, je vous rappelle dans 2 minutes pour quitter. J'ai fait les deux pistes, hein, les deux côtés d'ailleurs. La gauche, c'est plutôt pour l'aéroclub, tu vois. J'ai fait les deux, dans les deux sens. Hein. Elle est sympa la petite piste quand t'arrives par la terre, là, elle est sympa. Tu passes au-dessus de l'aréna, là, c'est chouette. Ouais. Bah, je l'ai fait quelques fois en simu celle-là. Donc là vous avez Cardon sur la droite. Hein. Après on n'aura pas la Valse. Avec le restaurant panoramique qui ressemble à une tour de... Ouais. Un ovni là. Ouais. Tout moulin, cher en plus. Rien que pour monter, il faut payer déjà l'ascenseur. Ah ouais. Ouais. Ah d'accord. J'ai jamais mangé, ouais. Non, moi non plus. Bon, la partie sud des Cévennes là-bas. Tout au loin. Donc là, on va partir sur 7 direct, hein. Fox Club Juliet, clear to land 30 right, wind 310 degrees, 18 knots, maximum 25. Clear to land, Fox Club Juliet, dead of Juliet on runway 36, correction 30 right. Sierra Tango autorisé à l'option 30 gauche, 310 degrés, 18 à 25 nœuds. Autorisé option 30 gauche, Fox Sierra Tango. Fox Club Juliet, will be possible to perform a touch and go. Aton. Elle est jolie l'eau, elle a la belle couleur. Sur Juliet. Ça rend pas aussi bien au téléphone, c'est normal. Allez, t'as Fox sur Juliet. Clear touch and go, comme Juliet. Yeah, thank you, clear touch. Please all right, and after that, we'd like to perform an engine failure exercise. On downwind, please all right, for full stop. Donc là, t'as pas la vache à droite. Before beginning. T'as le restaurant panoramique en forme d'une soucoupe volante, tu le vois là? Ah oui, d'accord. Ça, c'est modélisé aussi par Mousse. C'est un point assez connu. Et après, là-bas, sur l'île, c'est le point Sierra Whiskey. C'est la cathédrale de la Madeleine. Sierra Whiskey ou... Alors, je te le dis, tu vois, je pas. Sierra Whiskey, c'est ça. On le prend pas, on s'en fout, hein. C'est l'île, t'as une petite île par là. Là. Tu vois cette espèce de truc là, ouais, okay. Alors, ils appellent ça la cathédrale, mais bon, c'est une église, hein. C'est la cathédrale de la Madeleine. Voilà, c'est le point Sierra Whiskey, c'est juste là, voilà. Bon, nous on continue, on enjeu le littoral, là. Là, on va arriver sur Sierra Fox. Voilà. Donc là, Montpellier à droite. Ouais. Et le vu Montpellier qu'on voit à droite là. Ouais. Ah oui, c'est Montpellier, ouais. Ouais. Et après, ça doit être une partie plus récente. Là, c'est ce gros bâtiment là qu'il y a à droite de Montpellier là. On dirait qu'il y a une église sans doute. Hein. Peut-être bien, ouais. Et après à droite, je sais pas ce que c'est, ça fait comme des tours. Ah, l'espèce d'antenne blanche là. Allez, on arrive.
on verra ça. India Romeo, pardon, 7000, vous pouvez quitter la fréquence, au revoir. Bien sûr, on quitte la fréquence, vous pouvez juste retourner votre dernier vent, s'il vous plaît. Oui, on a 300 degrés, 18 à 25 nœuds à Montpellier. C'est bien pris, merci beaucoup. On prend la pluie là, c'est ce que vous avez annoncé. Il y aura un peu de pluie sur Montpellier, tu vois. On prend un peu de crachin là. Et on voit que la mer, il y a du vent au sol, hein. Ouais. Parce que la mer est agitée, hein. Ah, mais au niveau du sol, c'est de l'ordre de 20 nœuds alors. Oh oui. Ah, peut-être 25 même. Ouais, ouais. On va arriver sur Frontignan avec toutes les citernes de carburant. Après on va arriver sur le port de Sète avec le... On voit qu'il y a un ferry là-bas. Il y a déjà un ferry de carré. Salut, de Fox Hotel Lima et Comac. Bonjour, en Lima Unité, on est prêt. Et on voit l'Espagne là-bas au fond, hein. Ça y est, hein. À gauche là-bas. Fox Comac, bonjour, alignez vous 30 gauche, autorisé décollage. 300 degrés, 18 à 25 nœuds, virage à droite après l'envol. Autorisé au décollage, alignement décollage 30 gauche et virage à droite après décollage. Ah oui, l'Espagne tout à gauche là-bas, ouais. Ah ouais, l'Espagne au fond là-bas. Sierra Tango, numéro 1, 30 gauche. Si c'est bon, je pense qu'il faut y aller. Hein. On va aller au bout là-bas. Bravo 2 fois, ouais. Entrée en base main gauche, piste là-bas, 30 quoi, hein. Gauche. Je rentre en base gauche, autre ouais, droite. On va sauter les bandes et les nuages, hein. C'est normal. Donc t'as eu le micro crachin alors? Ouais. Ouais, c'était vraiment micro, hein, parce que c'est déjà tout sec. Là, il y a juste les barbules à passer et après ça va être plus clair, on dirait, derrière. Ce qu'ils ont annoncé sur la top 6, c'est un petit peu... Turbulent. But you are cleared for exercise and option 30 right, 300 degrees, 18 knots, maximum 25. Elle a joué les couleurs la mer, so, dis donc. I didn't receive. Je dirais qu'il y a un ferry qui attend là-bas. Yeah, 5 now. You are cleared the exercise on option 30 right. Hey, down, first call good. Do you read me? Yeah, we have a problem with radio number one. But it's okay, we are downwind and we do it 360. Montez les tours du Fox Lima Romeo, bonjour. En Lima Unité, on est prêt au départ 30 gauche. Lima Romeo, bonjour. Pour un immédiat, un trafic en base aligné au 30 gauche, autorisé décollage 300 degrés, 18 à 25 nœuds. On s'aligne et on décolle 30 gauche, Fox Lima Romeo. Fox et Comac, poursuivez vers le nord initialement, un trafic a fait un 360 en vent arrière. On arrive sur Frontignan. Oui, prenez un peu à gauche vers le nord. Voilà, parfait. Fox Golf Juliet, clear to land 30 right, wind 300 degrees, 18 knots, maximum 25. Lieutenant 30 right, Fox Golf Juliet. Affirme. For information, I lost your squawk. Ok, still 501, alt mode. Fox et Comac, je pense que je l'ai croisé. On va arriver sur les tentes de tour. Et Comac, reçu, attendez. Donc je reprends vers Alpha Mike et puis je vais réussir à 1000 pieds, Fox et Comac. Reçu. Ils font de la culture de coquillage. C'est un tango autorisé, atterrissage 30 gauche, ou option pardon, 300 degrés, 18 à 25 nœuds. Autorisé, option 30 gauche, Fox et Tango. Ah, ils vont passer toutes ces barbules de merde là, ils vont chier ces nuages. Hein. C'est eux qui nous rendent de l'air turbulent. Une fois qu'on les aura passés, ça ira mieux. Voilà, on passe le Frontignan, 7 juste après évidemment. Confilade s'est contrôlé pour prendre temps libéré par Victor et confirmer que vous recevez plus de Alticodon.
J'ai juste une coupure, mais là j'ai de nouveau le contact radar et radio là, que je gêne. Ok, monsieur, de toute façon, je pense qu'on va faire vérifier la communication, parce que je crois qu'on a perdu la combine. D'accord. Avec le sol 21-955, GovJet, au revoir. Le sol 21-955, GovJet, merci, au revoir. Bravo deux fois, en finale 30 gauche, j'aime complet. Bravo deux fois, autorisé atterrissage 30 gauche, 300 degrés, 16 à 25 nœuds. Autorisé atterrissage 30 gauche, bravo deux fois. Lima Romeo, l'approche 131-055, à plus tard. Elle est jolie, l'eau, elle est belle couleur. Ça fait plus tard, Lima Romeo. Ça fait un peu turquoise, là. J'aime pas ça. Alors on arrive sur 7. Montpellier Tower, Oscar Kilo Alpha, Uniform Alpha, 39, bonjour. On pourrait se croire en Polynésie, là, tellement les amis. Ah ouais, hein? Ah, dès qu'il y a du soleil, Oscar, il faut parler, c'est bon. 39er, bonjour, line-up 30 right and clear de Santa Catherine, 310 degrees, 17 knots, maximum 25. Yes, of course, I will do that. And then you turn right to vacate taxi, the Airbus behind you. Affirmé, clear de sortie, and when airborne, you turn right to vacate taxi. Alors 7 Easy 3-1 Romeo November, Tango 1 ready for departure. Easy 3-1 Romeo November, bonjour, from Tango 1, line up 30 right, 10 wait. From Tango 1, open way from this 3-0 right, Easy 3-1 Romeo November. Bon, salut Georges. Évidemment. Sierra Tango, numéro 1, 30 gauche. Numéro 1, 30 gauche, Sierra Tango. Bravo deux fois, le sol 121, 955, au revoir. 21-955, bravo deux fois, merci, au revoir. Tango novembre avec Montpellier approche, 130 décimales, 855, au revoir. 130-855, merci monsieur, au revoir. J'avais prévu. All right, and call you establish, que va être novembre. Il me reste 50 000 de... non. Ouais, on va rester en VFR. Montpellier, Fox, Tango novembre, bonjour. Tango novembre appelant Montpellier, bonjour. Bonjour madame Fox Golf, bravo Tango novembre, Cessna 172, autres personnes à bord. En provenance d'Avignon, à destination de Perpignan, on vient d'être libéré par cité de Montpellier, on est traversé de 2000 pieds, on fait route le Cap d'Agde et le trait de côte. Tango novembre, espace à un non contrôlé affiché 54-40, rappelé approchant novembre Lima de point d'entrée de Perpignan. 54-40, on rappelle le point d'entrée de la zone de Perpignan, Tango Novembre. Largage Patrick, c'est lancé à 2 minutes du largage, on trouve ça. On est tranquille là. Voilà, tout ça c'est de la paix là. And the Fox Hotel Golfima, we would like to start with the avoid report continue between 7-0 and 9-0. Between 7-0, 9-0, training above Acuni is approved Golfima, report end of training. Fox Hotel Golfima, between 7-0 and 9-0, training is approved, we will report end of training. Delta India Mike, Kilo Lima, Montpellier. Go ahead, Delta Mike, Kilo Lima. Kilo Lima, when are you ready to be ISR now? Yes, I'm here, ready to be ISR, Delta Kilo Lima. Copy, call you back. Ben, tous les parcs à huîtres là. Ah ouais, ouais. Sur 6, 7, c'est quoi? C'est des bantos ici là. Les pas de tour avec le parc à huîtres et les moulins. Ça c'est l'ostriculture, ouais. Ouais. Alors ils mettent ça sur des vérins. Et deux fois par jour en fait, ça les sort de l'eau. Ça simule la marée. Parce qu'à l'Atlantique, il y a les marées. Quand les huîtres sortent de l'eau, en fait ça les renforce. Donc pour avoir cette même qualité. Regarde, ça c'est ça, c'est la minute du largage, je trouve ça. Un système qui permet de les sortir de l'eau deux fois par jour. Polotia Québec November, contact Montpellier Tower, 118 decimal 775, bye bye. Ah, il y a un beau grain là. 775 Québec November, good evening.
approach easy, 31 Romeo November, passing 2700, just climbing 3000 on November, Golf 6 Romeo. Easy 31 Romeo November, good day, fly heading 010, climb flight level 140. Fly heading 010, climb flight level 140, 31 Romeo November. Donc là on va arriver sur le Cap d'Agde, c'est le point Sierra Echo. Sierra Echo de Sierra Echo de Béziers. Voilà. Et comme on est au-dessus de 2000, ben, au-dessus de 1500, on est au-dessus des zones de Béziers. Donc on passe pas avec eux. Donc effectivement quand on fait du voyage, pour essayer de on a du mal à adapter des altitudes de pour éviter de passer sans arrêt avec les contrôleurs. Parce que lui, Béziers, tout aussi bien, pour cheminer sa zone, il va nous obliger à suivre le trait de côte. C'est-à-dire rentrer à Sierra Echo, sortir là-bas, Sierra Whiskey. Donc du coup, tu es obligé de faire un anse, alors que nous, là, on va tirer droit. Quoi. Surtout avec le grain qui arrive, on a tout intérêt à tirer vite. À tirer là, quoi. Ouais. Je vous rappelle pas le langage. Non, je vois bien. Oh, il va rentrer là. De toute façon, le vent, il vient de la droite. Hein. Donc on va le prendre, on va le prendre. Hein. Mais bon, on voit qu'il est léger parce qu'on y voit à travers quand même. Ouais. C'est pas un grain. Parce qu'on a un rideau de pluie, il faut faire attention. Là, on voit qu'on y voit à travers. Donc c'est de la pluie légère, quoi. C'est plus de la bruine que de la pluie, donc ça va. Alors, Béziers, il est où le terrain là? Alors, le terrain, je suis de le trouver. Bonjour, on va lever le tout droit. Vous allez à l'arrière ou à l'arrière? J'ai deux plans différents pour vous. Je vois la piste, elle est comme ça la piste. Je la vois, ça y est, elle est à droite là. Il y a un premier village là, un autre derrière et la piste est après. Derrière, ouais. Alors, descente niveau 100 Delta Victor, maintenant avec le transpondeur 1000 et faites route PPG puis Sigean puis Mende. PPG Sigean, Mende, niveau transpondeur, Delta Victor, et j'aurais bien stoppé la descente au 130, voire continuer de monter du coup pour le moment, c'est possible? Ça nécessite de vous coordonner à une autre zone, stand-by Delta Victor. J'attends au 130 pour le moment et preneur de monter. Delta Victor, vous confirmez ensuite, vous voulez 190? Oui, mais plus haut qu'il y a, mais plus bas, oui. Easy, vous mettez 20 vers Cavenard, fly level 190, proceed avec E-Track. Alors, on va mettre le... 190, proceed avec E-Track, easy. On va rentrer le bord de Perpignan, en secours. Là. Là. Voilà, PPG. Tac. Et là, on voit bien en tout. Donc là, on est sur le radial. On est sur le radial 220. Et là, nous, on est au 260. Donc c'est normal. Parce qu'on va là, alors que Perpignan est là-bas. Donc c'est cohérent. C'est cohérent. Voilà. Et les vores, ils enlèvent au fur et à mesure. Hein. Les vores, ils les enlèvent au fur et à mesure. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah avec le GPS. Ah, bah, le GPS, c'est fini, hein, le vore. En train de vivre de sa petite mort. Hein. Ouais. Là, t'as le château de Sceaux, là, Pascal. Ouais, c'est un château, Là, on est vraiment vertical, Cap d'Agde, hein, là. Et le village qu'on est en train de viser là, c'est le point de Valras Plage. Hein. C'est le point de sortie de Alpha Delta là. Alpha Delta, tu vois, voilà. Donc tu peux. On y va direct hein. Tu peux même y aller, ouais. On va pas gagner grand chose, hein, mais bon. Tu peux viser Narbonne Plage, c'est ce qu'on voit après là. Là c'est Valras, Saint-Pierre et Narbonne Gruissant, voilà. Ouais. Narbonne Gruissant c'est là, voilà. Et tout à fait au fond, là au fond, c'est pour la nouvelle. Hein. C'est d'ailleurs le point d'entrée qu'on va prendre. C'est là qu'on l'appellera Perpignan. Alors, tac tac tac, Mark 7.
j'avais dit, hein, qu'il y aurait un peu de pluie, tu vois, ils sont pas trompés. J'y croyais pas trop, mais si. Comme quoi, finalement, la prévision de Windy est plutôt faible, hein. Oui, 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 c'est de la plus faible, là. Enfin, quand je dis Windy... Tu peux rajouter un peu de puissance, ouais. C'est Météo France, hein. Si vous le voyez, l'arc-en-ciel, il y a un arc-en-ciel ça, au niveau de la mer. Ah ouais, ouais, exact, ouais, un petit arc-en-ciel, t'as raison. Léger, ouais. Ouais. Exact. Ouais. Donc là, c'est Valras, là-bas on n'y va pas évidemment. C'est le point Alpha-Delta de Béziers. C'est l'estuaire de l'Aude. Voilà. Souvent, quand il y a des fortes pluies orageuses, l'Aude qui se vide dans la Méditerranée, ça fait une espèce de gros truc marron, là. Dégueulasse, hein. Charrier la boue, hein, Charrier. Et en face, c'est l'étang de Souzan, qu'on voit là-bas. Voilà. Avec Gruissant. On y va droit dessus, c'est parfait. Donc Valras plage à droite là-bas. Ouais, Valras plage, ouais. La ville que tu vois. Le point de sortie de Béziers. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est stable maintenant là, donc je peux zoomer un peu, tu vois. Bon, on a passé les zones de turbulence avec les nuages là. Bon, ça reste un peu crapoteux donc mais bon ça n'a rien à voir. Là-bas c'est l'air dégagé quand même, ça n'a pas l'air mal quoi. Pour les Pyrénées c'est pas mal. Ouais, ça revient bien sur la gauche là. Tu disais ? Ça revient bien sur la gauche la terre. Ouais. Ben, c'est ce qu'on appelle le golfe de Lyon. Ouais. Là on est dans le golfe de Lyon. Là-bas c'est le Cap Béhar. Golfe du Lyon, ouais. Normalement on va y aller. Ben, si la météo se maintient comme ça, ça devrait le faire. Ouais, c'est bien parti. Alors, Mambo Lima. Essayez, ouais. Je sais pas si je vais l'avoir. Hein. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas les points VFR là-dessus. Certains quand ils voyagent ils les rajoutent hein, à la main. Ah dans le ouais. Dans le GNS. Donc là on met le point, novembre Lima, et on LF, on le met pas, il n'y a pas assez de caractère. On met directement MP. Pas sûr qu'il y soit, tu vois. D'abord en provenance de destination de fond de sac, on vient de passer Sierra Luna 1500 en direction de Sierra Bravo, ensuite on souhaiterait voir Aix Nord et un retour à fond de sac. Victor Québec, bonjour, à 1500 pieds vous allez entrer chez Montpellier Info, vous souhaitez monter ou vous gardez 1500? On va maintenant à 1500 pieds si possible, Victor Québec. Eh bien dans ce cas-là, contactez Montpellier Info, 125 65, ils auront vos éléments. C'est bien pris, 125 55, au téléphone Victor Québec. 125 65, Victor Québec, au revoir. 125 65, Victor Québec. When at 3, 4, 5, 7, contact Marseille, 128 850, bye bye. Fox Golf, bravo, Tango Novembre, vous êtes en espace aérien non contrôlé. Contactez-moi plutôt fréquence 136-625. Vous m'avez dit 136 136-625. 136-625, Tango Novembre. La radio est pas terrible, hein? Non. Fox en novembre sur la fréquence 136 décimale 625 avec Montpellier.
même contrôleur Tango Novembre, rappelez approchant Novembre Lima. Rappel approchant Novembre Lima, Tango Novembre. Bon, je voulais te le mettre, le point, je vais te le mettre. Voilà, Novembre Lima, ok. Quand tu l'as sous les yeux, sur ta tablette, c'est bien aussi utiliser la tablette, hein. Parce que ça sert, hein. Si ça sert jamais, c'est pas le jour où on en a besoin. Je vais créer le point, là. Bon, je crée un waypoint. Le nom de convention d'hommage, c'est le nom du point, Novembre Lima, et MP. Et la termination de LFMP. Golf Novembre, Juliette Golf, Montpellier approche, bonjour. Golf Novembre, Juliette Golf, bonjour. Montée altitude 3500 pieds, NH 1014. On monte 3500 pieds, Fox Juliette Golf et 1014 QNH. Juliette Golf, vous ferez route vers Avignon direct ou une verticale Garon peut-être? Fox Juliette Golf, on monte en avance. Oui, Juliette Golf, vous ferez route directe à Avignon? Firme, route directe à Avignon, Juliette Golf. Montpellier, bonjour, ici 6579, setting for Airbus 150, direct Brusque, Airbus A320 with information echo. Ici 6579, good day, route directe Valag, number 1 for LS Zulu, runway 30 right. Distance at level 1, 20. Direct Valag, Isle of Zulu, 30 right, and descend for level 120, 6579. Et voilà. Attends un peu, et voilà. J'ai accueilli. Là t'as le track. De toute façon c'est la cimenterie que tu vois en face là-bas. Ouais. Voilà. Donc là c'est une arbonnage à droite. Alors, ça c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre. Saint-Pierre, Narbonne-les-Plages c'est là-bas. Et après on va arriver sur Gruissant, c'est des villages sur pilotis où ils avaient tourné le film 37.2 le matin. Ah celui-ci. C'est là-bas. Voilà. On les voit les pilotis sont là-bas là. Dans notre coin. Voilà. Donc Saint-Pierre, Narbonne plage, Narbonne est juste derrière la clap là. Cette montagne s'appelle la clap. Et on voit les hauts de Narbonne derrière. La ville de Narbonne. Gruissant. Et on va arriver après à. À quelle altitude là? Juste golf, novembre Charlie. Tu disais? À quelle altitude là? 2000. 2000. Donc on est au-dessus de l'article novembre Charlie. Au-dessus de? Novembre Charlie. Bien reçu, j'ai golf. Donc là on voit que ça commence à faire de la distance hein, par rapport au, à la Terre. Ouais. Là-bas il y a du grain encore hein, sur les corbières là. Nous on n'y va pas. Nous après on va lâcher. Donc on va chercher Port La Nouvelle. Après il y aura Port Le Cap, Port Barcarès, Saint-Cyprien, Argelès, Collioure, Port Vendre, Cerbère, Bagnols, Cerbère, Port Bou et on revient par l'Espagne se poser en Perpi. Ça devrait être pas mal. Ouais ça fait une belle balade quand même. Hein. Ah ouais. Mais là ce matin on a fait les plaines avec les plaines d'Avignon. On doit arriver sur je pense qu'on doit faire 1h30, 2h30 on doit faire Tanger quoi. On doit faire le Maroc avec un plein. Parce qu'on a 7h30 d'autonomie. Je pense qu'on fait largement le Maroc ouais, d'Avignon. On a envie de pisser avant mais. Des avions qui a des très grandes autonomies, ça c'est vraiment génial pour ça. Quand tu fais des balades, t'as pas le souci de te dire est-ce que je vais être court pétrole, ou alors il va falloir refueler. Donc tu perds une heure à refueler parce qu'il faut faire venir le camion, payer la taxe, le machin. Là avec cet avion, tu fais le plein, tu fais rien quoi. Voilà, là c'est la ville de Gruissant. Sur la petite lagune, là c'est où il y a tous les pilotis exactement, voilà. Vous passez à Perpignan Tour Je passerai vers Whisky Sierra. Ok, faites route Whisky Sierra, rappelez prêt à quitter. Ah,
Bon, on rentrer à Whisky Sierra, ça va bien. Easy 5679, Addison now 70, route de Valags and Aztec. Easy 5570, Valags and Aztec, easy 6579. Direct ILS via Aztec. Ah bah là, c'est pas le nuage, hein. Je suis qui est là, là. Ouais. Number 2 for the approach. Bah, 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 le trait de côte, on descendra 1500 pieds. Dame Lampe, elle est chercher doucement là, c'est pas mal là. Comme ça, on va se donner un peu de séparation parce que lui là, tu vois comment il est, c'est un espèce de. Alors, c'est pas lenticulaire, mais il est une forme. Hein. Ouais, ouais. Je pense qu'il doit être super. Comment dire. Tombé en dessous. Hein. Easy 5679, descend altitude 5000 feet, unit 1014. Your number one, keep your best speed. He's now 25,000 feet, 1014, and we'll keep up at speed, easy 6579. Vous approchez la gare, Fox X-ray Yankee, rebonjour pour largage au niveau 100. X-ray Yankee, bonjour, montez niveau 100, rappelez prêt à larguer. Niveau 100, rappel prêt à larguer, Fox X-ray Yankee. Ouais, tu peux, ouais, voilà, ouais. Easy 5779, will you be below flight level 70 within 5 minutes? On est déjà sur 1h10 de vol, à peu près, hein? Ouais, 1h05, c'est ça. X-ray Yankee, cause départ en cours à Garou, qui va partir dans l'axe 36. Maintenez secteur Boker, merci. Maintenant, secteur Boker. Donc, les portes de l'Hérol, là. Or la nouvelle, or. Papalima, contactez Perpignan, tout 118-30. Juliette Golf, continuez la route sur Avignon. Vous êtes en vue du terrain de Garou? Juliette Golf, en vue du terrain de Nîmes. Oui, reçu. Au terrain de Nîmes, il va y avoir un départ face au nord. Gardez le cap actuel pour rester bien au sud de la piste. Voilà, ne passez pas plus au nord. Reçu, on reste au sud de la piste, Fox Juliette Golf. Reçu pour la route au sud, c'est approuvé. Oui, route au sud, c'est chanté. Créanqui, vous continuez donc cap sud et vous me rappellerez avant de revenir vers le nord. Revenir vers le nord, il faut la partir un peu sur la droite légèrement là. Puis on
va descendre à 1500 pieds, là, ça va être bon. C'est combien ? Bonjour. Bonjour monsieur, Foxhop India, R400 BG pour BG, un vol local, secteur Sierra Eco Alpha Delta, entre 3000 et 5000 si c'est possible. Si vous êtes Fox Hotel Uniforme Papa India, c'est correct? Oui, ça va, Gérald. Impeccable, écoute. Hein. Monsieur, alors confirmez les altitudes souhaitées. Les altitudes souhaitées, donc un bloc d'évolution pour du vol exercice local entre Alpha Delta, Sierra Eco, 3000, 5000 km. Reçu, c'est approuvé, le QNH 1014 affiché. Ah, c'est bon, alors on va pas descendre trop. QNH 1014, on va prendre un peu là. Allez, on est bien là, très sain, c'est bien. T'as bien dit, quand tu m'as dit 1500 pieds. Ouais, 1500, ouais. C'est pas grave, 1300, c'est pas grave. On est bien là. Bah, je prends même un peu de pêche, hein. Je te laisse. Montpellier de Fox, Tango en novembre, on est à l'approche du point. Novembre Lima de la CTR de Perpignan pour passer avec eux. Passez sur 118.3 Tango novembre. Au revoir. 118.3 avec Perpignan, merci monsieur, bonne fin de journée, au revoir. Et tout. On est prêt à copier. Je me rappelle. Niveau de transition 60, vent 280 degrés, même maximum 27 nœuds. Visibilité supérieure à 10 km, nuage sous. Sur les Antilles Zoulou, on est parqué là. 14 13, Québec novembre 2015, Québec Fox Eco Seuil 33010. Informé, Delta reçu au premier contact. Good morning, Perpignan Information Delta, recorded at 09h00 UTC. Type of approach, LS 33, runway 33 and 31 in use, runways are dry. Transition level 60. Wind 290 degrees, 20 knots, maximum 27 knots. Visibility over 10 km, cloud view 10,000 feet. Temperature 27, viewpoint 13. QNH 1015, QFI threshold 331010. Inform Delta receive. Perpignan, Fox Tango novembre, bonjour. Je vous rappelle Tango novembre. Fox Tango Palibre, dernier virage tenté pour le complet. On suit le trait de côte tranquillement. Là on a passé le point novembre Lima. Novembre Lima, piste 31, autorisé atterrissage. Le vent 300 degrés, 24, rafale 34 nœuds. Autorisé atterrissage, piste 31, Novembre Lima. En novembre Perpignan, bonjour, les intentions d'arrivée. Intention d'arrivée, écoutez, on aurait souhaité faire le trait de côte jusqu'à Cerbère et puis revenir pour se poser sur vos installations. Allez, alors dans ce cas-là, Tango novembre, si vous faites le trait de côte, c'est pas ma zone de responsabilité. Si vous étiez avec Montpellier, il faudrait éventuellement repasser avec eux, 136-625 sur le SIV. Ok, je repasse avec eux et je reviendrai avec vous à l'issue pour faire l'atterrissage. C'est plus simple. Merci monsieur, à tout à l'heure. C'est là. Avec les formes, avec 7-9, descend 2000 feet, QNH 1014, TDL Zulu 3 right, vous portez sa fiche. C'est le format Alpha Golf 29 Echo, un turn right on heading 100 and climb flat level 110 on Provence request. Turning right 100 and climbing to flight level 110 Uniform Alpha Golf 29 Echo. 29 Echo on heading contact Provence. La zone verte est carrée là-bas. Bye bye. À droite. La partie verte. Ouais. Contact with heading on 127.725 Uniform Alpha Golf 29 Echo. Fox Hotel Delta Golf Lima, Stardis and 4000 feet, QNH 1014. 4000 feet, QNH 1014, Fox Hotel Delta Golf Lima. Montpellier, Fox Tango, novembre.
novembre de retour sur la fréquence. Tango novembre 5. Oui, on revient sur la fréquence parce qu'en fait on fait le trait de côte jusqu'à Cerbère et donc Perpignan ne reprendra qu'au retour pour faire l'atterrissage. Donc on reste en fréquence avec vous. Reçu, rappel pour virer sur la CTR. Rappel pour virer sur la CTR, on reste en fréquence avec vous monsieur, à tout à l'heure. C'est un peu la patate chaude, tu sais, on voit. J'ai pas envie de m'emmerder, on va voir mon collègue. C'est un peu ça. Donc là on a passé par le 4, là on arrive sur Port Barcarès. Et là il y a un bateau qui est sur la plage. Je le vois, ouais. C'est un casino, boîte de nuit, ça s'appelle le Lydia. Ça fait au moins 50 ans qu'il est là ce truc. Hein. Donc là on le voit très très bien. Pilote tranquillement, moi je vais essayer de faire la photo. C'est pas dramatique si j'y arrive pas. Commencez casse-gueule là. Hop là. Et plein cadre là. Easy 6579, contact tower, no 118.775, goodbye. 118.775, easy 6579, bye bye. Fox Hotel Delta Golf Oscar, good age. Main temperature 6-5, call back for this. Ah, c'est impressionnant les montagnes comme ça d'un coup là. Ah ben ouais, c'est les Pyrénées, ouais. Ah merde, j'ai enlevé le GPS, le gars l'abruti. Ouais ouais, c'est les Pyrénées, c'est oui, ben c'est le côté vachement agréable du vol là. Ouais. Entre terre et mer. Ouais. Delta Mike Charlie Tango Charlie, call me on the frequency 131.055. 131.055. Donc les installations dans la partie verte, dis-tu? Ouais, partie vert clair là-bas, ouais. Bah, d'ailleurs, on voit un gros avion là. Oui, blanc, ouais. Voilà. Là, c'est Saint-Laurent de la Salanque à droite. Hein. Et là, tu vois la piste militaire, vous la voyez là, jusque-là? Golf Bravo Tango Novembre, affiché 54-40, okay. Vous êtes en espace non contrôlé, ouvrez l'œil. 54-40 pour Fox Tango Novembre. Donc Saint-Laurent-de-la-Salanque, on voit la piste. Et au bout, il y a un embarcadère. Jean, c'est plus utilisé. C'est là que la TCOR a testé ses hydravions. Voilà, entre autres. Là, et puis par eux, c'était les deux terrains d'entraînement pour les hydravions. C'est un Mike Charlie, Mike Charlie, hello again. We are 5 miles southwest of reporting point. Sierra Echo of Lima Foxtrot Mike Uniform. Delta Mike Charlie, Tango Charlie, Redo 5, continue. Call flight level 170, descending to flight level 150, direct to Airbus. Sur la Québec Golf, bonjour, descend flight level 120, Pinan, then Aztec, it is 30 right. Flight level 120. And then Aztec, Alpha Kappa Golf. On a une heure et demie là, de vol hein. Ouais. Oh mais je le dis juste. De toute façon cet après-midi, vu le temps, à mon avis on pourra pas trop taper sur les montagnes hein. J'ai peur que ça soit chaud patate hein. Fox Hotel Delta Golf Lima, keep high speed please, and descent altitude 2000 feet. On va arriver à Saint-Cyprien. Cleared approach, report established. Fox Hotel Golf Lima, we will keep high speed descending 2000 feet, 1014, clear the altitude approach, coming 305. On n'a pas sorti de vent finalement ici là, de vent latéral là. Ouais, il y en a un peu moins on dirait d'ailleurs, parce qu'il y a moins de vagues que tout à l'heure. Ouais. On verra l'arrivée. Ah, la surprise, en tout cas au-dessus des montagnes, tant qu'à voir les lenticulaires qu'il y a, ça doit pas passer là. Donc les dernières montagnes qu'on va au fond là-bas c'est l'Espagne, on va pas aller si loin. Hein.
Sinon ça va vraiment rallonger le vol, on va aller vraiment faire un peu côtier. Bon, on peut aller jusqu'à Port-Vendres quoi, Bagnos. Parce que là, vu le temps qu'il nous reste de vol, ça va vachement rallonger. Hein. C'est bizarre hein, parce que j'ai pas l'impression qu'on a perdu de temps. Mais juste le 360. On a décollé, c'était quoi, 11h10 10h10, je crois, 10h05 10h06, on a mis en route. Hein. 10h06, on a mis en route, ouais, 10h15 je crois le décollage. Ouais, 1h20, ça fait 1h20 qu'on a un peu. 1h15 de décollage et 1h05 de moteur. Golf Oscar, do you wish to descend? Fox Oscar, request descend 2000 feet and direct Echo Sierra for long final on runway 30 left. Negative, have you got traffic on final, so you need to be 1000 feet at Echo Sierra. So north of Alpha Mike, start descent 3500 feet, call back. North of Alpha Mike, descent 3500 feet. Oh ben c'est le canigou qu'on voit là à droite là. Car ça très lancé à 2 minutes du largage, on commence à... Le canigou, hein. On peut aider, France Soleil 58, Yankee Zulu. Je vous écoute. On a une faveur à vous demander, on souhaiterait le 280, c'est pas ce qu'on a déposé, mais ça nous arrangerait beaucoup aujourd'hui. Alors c'est noté, par contre je peux rien faire pour vous, c'est directement Marseille 128-850 qui va pour faire quelque chose. C'est parfait. 28-850 avec Marseille, Yankee Zulu. Bonne journée monsieur, au revoir. Merci, au revoir. Et presque 3000 hein, le canigou 2008-2009 hein, je crois. Ouais, dans ces eaux là, ouais. X-ray Yankee, rappelez fin de largage. Donc là c'est tanné, tanné en Roussillon. On rappelle fin de largage. On va arriver sur Angeles. En face on a Collioure, on va y arriver droit dessus là. Collioure, Port-Vendres, Bagnos. Tu veux passer derrière? Ouais, on va essayer de passer derrière. On va voir comment ça se passe. Hein. Bon, ça tabasse pas trop, sinon on fera 2000 tours dans la baie de Bagnos, on reviendra comme ça. Oui, parce que comme tu dis, là, je peux passer comme ça, c'est bien là, ouais. Ouais. Mais disons que vu le vent qui vient de la droite, vu les montagnes, c'est sûr que là, ça va, le relief, ça va être chaud. Hein. Ce que je disais ce matin, ça va être chaud, ça va être turbulent, quoi. Il y a des moutons quand même, hein, donc au sol ça souffle. Hein. Mais ce qui m'avait étonné en fait quand j'ai regardé Windy au niveau du vent, ouais, c'est que ça commençait vraiment pratiquement au-dessus de la mer, puis c'est vraiment marqué quoi. Ouais ouais. Et à l'intérieur c'est qu'il y avait déjà 10 nœuds de moins. C'est ça, ouais, après... Golf Oscar, so stay north of Alpha Mike, descend in 3500 feet, power 118.75. À Collioure dans la baie là-bas, mais je pense qu'on va le faire en côté, ça sera plus agréable parce que j'ai peur que par-dessus ça soit pas top. Hein. Donc on va tourner, voilà, on va faire un grand virage à Bagnos là-bas. Bagnos c'est derrière, c'est la baie qu'il y a derrière. Donc on voit où il y a les, tu vas survoler où il y a les traces de bateaux là. Ouais. Et tu as le phare, oui. Il y a un phare, ça s'appelle le Cap Béar. C'est un endroit où il mesure des vents. Dans des vitesses extraordinairement élevées quoi. Bon, je parle pas d'aujourd'hui mais c'est un endroit qui est très très exposé là. Ouais, c'est un point repère qu'on va. Ah ouais, ouais, le Cap Béar, ouais, ouais. Ce qui fait qu'après, Pascal pourra après filmer côté gauche. Mais après, ouais, c'est parce qu'on va prendre le trait de côte. Hein. On va essayer de le faire assez bas quoi. Là, on va aller chercher, là on vise Bagnos derrière là-bas. Donc là t'as Collioure, Port-Vendres, on va les voir de mieux, on les verra mieux tout à l'heure. Parce qu'après derrière il y a Cerbère et après c'est l'Espagne. L'Espagne elle est derrière la crête que l'on voit là, la première là. La première. Ouais ouais. Parce que déjà au fond là-bas c'est déjà l'Espagne. Mais là vu le... ce qui aurait été joli c'était aller jusqu'au bout et remonter là.
Regardez le vent, on va se faire pas passer. Ah ouais. Ça fait des comme des lenticulaires là. Ça ah ouais ouais non, on va y avoir des retours derrière, c'est obligatoire. Exactement. C'est qui est perché sur la colline là-haut là ? Alors c'est la Massane celle-là. La grande que tu vois c'est la Massane, la tour de la Massane. Un peu plus bas on verra, il y a la tour de la Madeleine. C'est une autre tour chinoise. Fox and Golf Lima, keep high speed, contact Ottawa 118, this mile 775, eh? Right, this mile 775, keep the high speed, Fox and Golf Lima, au revoir. Sierra X-ray Alpha Québec Golf, descent altitude 4000 feet, Québec de Motel 1014, start reducing speed. Avec tous les vignes, Bagnoul c'est connu pour ses 122. Et bien reçu, pas de trafic, on est où ici? Allez, Garon 123-2 tout à l'heure. Entre bien avec Garon, tout à l'heure, reste tranquille. Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Vérifiant simplement. On va faire le virage juste avant la montagne, alors comme ça, crac. Comme ça, il va pouvoir voir Bagnoles. Donc de l'autre côté de la montagne, Espagne. Ah ben oui, de toute façon, tout ce que tu vois derrière, c'est l'Espagne. Oh ben, j'ai jamais été aussi près de la côte du sud là. Bon, là on a Bagnoles, juste derrière c'est Cerbère qui est la ville frontière. Hein. La frontière elle est juste là. Hein. Voilà. Juste devant nous. Hein. Je reste pas, t'as bien dit Cerbère. Hein? Un gag. Donc la petite. Là, là. Voilà, là t'as Cerbère, la ville que tu vois, et derrière c'est Pompon, côté espagnol. Et la ville au fond, à flanc de montagne blanche, là-bas c'est Llanza. Là on est déjà un bichon en Espagne. Hein. Cadaqués qui est juste derrière. Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal. Là, donc, là, Bagnoles, voilà. Là, on va faire Cerbère, le Cap Béart, voilà. Après, pour vendre, Collioure, Argelès. Bon, les petits, on peut rester à gauche. Enfin, dès qu'on a passé Argelès, je vais appeler. Dans ces secteurs Sierra Charlie quoi. Pas pas mal là. On va descendre, voilà, on se met un peu en palier. Hop. Sierra X-ray Alpha Québec Golf, Québec Novotel 0014, LS 1013, oh, now it's on final. It was a very, it was a light traffic and it speed up on final, so no problem for you now. Okay, so we will be number one, Alpha Québec Golf, thank you. Oh yes, within 1 minute, 2 minutes, number one. Là, ça se passe tout droit, en fait. Et là, on a Collioure. Légèrement droite comme ça. On va légèrement ouvrir, comme ça on s'éloigne un peu du relief.
Parfait. Comme ça. On est près du relief. Hein. Un peu ratatiné. Montpellier de Tango Novembre, on va quitter le trait de côte pour passer avec Perpignan et faire l'arrivée avec eux. Monsieur, le trafic qu'on vient vous signaler, toujours en gauche, 118.3, au revoir. 118.3, merci monsieur, bonne fin de journée, au revoir. Allez, ça c'est fait, Je le laisse. Non, garde-le pour l'instant, garde-le, ouais, ouais, garde-le. Perpignan, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, Perpignan, bonjour. Bonjour monsieur, Tango Novembre, Cessna 172, 3 personnes à bord. Provenance Avignon à destination de vos installations. On est actuellement à 1500 pieds, QNH 1015, on a pris l'information Delta. On passe Argelès-sur-Mer pour une intégration sur vos installations. Donc, Tango Novembre, nouveau QNH 1014, faites route installation. 1014, on fait route vers les installations, Tango Novembre. Une bêtise, hop voilà, tac. Voilà, le trait rose il est là. Pas tour de jouer hein. Pour nous amener à cette altitude, le tour de piste est à 1200. Donc on est quasiment sur la bonne hauteur. Pas tour de jouer. Voilà, ça c'est bon. Allez, non, je reviens au pilotage. Alors, on va faire un OBS. Alors, la piste, c'est quoi? Je vais te faire un ILS virtuel, 33. Je vais me le prendre. Ah il le prend pas celui-là. Normalement tu peux choisir mais bon c'est pas grave. On va aller chercher un petit peu sur la gauche tu vois parce que là on est à droite hein, du track. On va le voir le terrain, je le vois déjà moi. Je sais où il est. La piste elle est... On est quasiment dans l'axe de piste. La piste elle est quasiment en homidie mais elle est inclinée comme ça. Ah honnêtement je le vois pas. Donc pour l'instant reste sur ce... Vise le lac. Voilà, vise le lac. Et au niveau du lac on va virer. On sera en longue finale. Donc, ça c'est bon. Non. 1700, c'est parfait. Faudra descendre un petit peu, mais là c'est stable. Donc autant rester sur une altitude où ça bouge pas trop. Voilà, là on est pas mal. Le full pop pour l'instant, sans objet. On est dans les contreforts des Alberts, ça s'appelle le massif des Alberts là en fait. Hein. D'accord, voilà. Là-bas c'est le Boulou, la ville du Boulou, la ville qui est éclairée. Et le Boulou c'est la dernière ville. Après tu passes le Pertus et t'arrives en Espagne. D'accord, voilà. Un tour avec uniforme pour eux. Avec uniforme la tour pour un complet. C'est pour le complet de retour des châteaux. Reçu avec uniforme, on fait embasement gauche piste 31, ouais, c'est le numéro. C'est fort hein. Ouais, pas le temps, mais je te le laisse. Hop là, voilà. Je suis en finale là, tu la vois la piste ou pas? Elle est noire. Ah, on y est dessus là. Trop devant. Ça craint hein. Alors, tu vois la montagne au fond? Oui. Tu reviens un petit peu, t'as une zone un peu plus claire, verte. Ah, éclairée, oui. Avec une zone grise. Et au milieu il y a un trait noir, c'est la piste. Après les maisons, hein, bien après les maisons. Ah après les maisons. Ah oui oui, c'est après les maisons. C'est juste avant la montagne en fait. Hein. Fox Tango Novembre, on est établi en très longue finale, piste 33 et on a visuel bien sûr sur vos installations.
novembre, c'est noté, rappelez final 33. On rappelle final 33, Tango novembre. Là voilà, tu peux y aller, là c'est bon, voilà. C'est bon? Alors ok, le full pump on va le mettre sur on. On va garder la puissance parce qu'on est loin là, mine de rien on est à... On est à 10 nautiques, hein, t'imagines? On croirait pas, hein? Putain, c'est pas possible quoi. 10 nautiques de 8 minutes. On croirait pas, hein? 8 minutes de finale. Bah ouais, super longue là. Ah ben, l'approche ici, les liners, ils passent au-dessus de Saint-Cyprien là-bas. Ils font le virage au-dessus du lac comme ça. Alors que l'on, on est déjà établi en finale depuis 2 minutes. Donc là, on voit tout le trait de côte qu'on a parcouru. Ah oui, oui. Et c'est la partie la plus à droite qu'on voit de la Terre, tout à l'horizon là-bas. Ça correspond à quoi? Au fond là-bas? Tout au fond là-bas, ouais, le plus loin. Bah, je pense que c'est Sète, hein. C'est la ville de Sète, hein. C'est le golfe du Lion, quoi. D'accord. Bah, tu prends une carte, tu le vois bien, quoi. Bon, ça m'emmerde, ce truc, là. Ah, ouais, oula. T'embête pas. Voilà. Fox Mac Uniforme, piste 31, autorise l'atterrissage, vent 300 degrés, 22 nœuds, rafale 34 nœuds, Tango le plomb. Là, 32 Tango le plomb pour Mac Uniforme. Pour simplifier la translation, vous pouvez même prendre Victor 31 si vous souhaitez. Ouais, bah, je prends Victor, merci. Fox Tango le plomb, confirmez vos intentions, complet, vous allez à l'aviation générale ensuite, c'est ça? Affirme, complet, aviation générale et on repartira en début d'après-midi. Ouais, besoin d'avitailler ou pas? Négatif. Reçu. Et Fox Tango novembre, maintenant vous êtes numéro 1, rappelez courte 33. On rappelle courte 33, Fox Tango novembre. Mac Uniforme, on peut pour quitter. Quitter Mac Uniforme à plus tard peut-être. Voilà, tout de suite pour le dernier. C'est noté. On va survoler tout Perpignan. Cinéma là, j'y allais à ce complexe là. Je connais bien ce complexe cinéma. T'as vécu par ici? Mes parents ils avaient un appart à Argelès. Ah, j'ai passé des années ici. Bon, je connais bien le coin là, la côte. Hein. Bon, Perpignan un petit peu moins mais... Ah ouais, là on se fait un peu tabassouiller là. Elle est bien éclairée la vie. Ah, ça y est, visuel sur la piste. Putain de nuages, hein, ils nous emmerdent, hein.
arrive sur le pont de l'île. Alors il y a le palais des rois de Majorque sur la gauche là. Ah, cette zone là. Qui est toute floutée sur Flight. Ah bon? Ouais, parce que c'est militaire en fait. Militaires l'ont récupéré. Fox Tango Novembre, piste 33, autorisé atterrissage, vent 310 degrés, 18 nœuds, rafale 34 nœuds. Autorisé atterrissage, Fox Tango Novembre. C'est la 33, il a dit, hein? 33, oui. Assure-nous, rafale 30 nœuds. Ouais. De rugby, à droite c'est l'Osco, tout ça c'est bien modélisé, il y a un deuxième stade après. Petite charge qu'on forme bien là, on entend une petite accélération là, tac. Ah ouais ça, oh la vache. L'héliport là. Ça c'est l'autoroute, hein, la 9. L'autoroute qui va en Espagne. Gros avion là. Soulève l'aile, cet enfoiré, c'est bon, c'est posé. Petite rafale qui m'a soulevé l'aile. C'est contrôlé, Tango Novembre. Tango Novembre, dégagement par la gauche, ensuite roulez Kilo vers l'aviation générale Nord, vous connaissez l'endroit? Affirme, monsieur, je connais Kilo, l'aviation générale au Nord, Tango Novembre. Et reçu et quitté là-bas tout à l'heure. On quitte là-bas tout à l'heure, merci, monsieur. T'as vu l'aile comment elle s'est soulevée au dernier moment? J'allais poser, j'allais arrondir et hop, l'aile s'est soulevée. Ah, le vent il est de travers, hein, il est pas tout à fait dans l'axe. Hein. Ouais, il doit avoir 20, 30 degrés, même 40 là. 39, ouais, 39 ça commence à causer là. C'est moi qui porte la poisse, hein. Ça fait une fois que je viens, une fois qu'il se bat avec la machine en finale. Lui. Et il aime ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bon. Je m'en rends autant que ça se pose tout seul. Je pense bon. Qu'il aime quand c'est calme aussi. Aussi, sûr. Alors, Mousse, il l'avait fait celle-là, ouais. Ouais, ouais. France FR aussi, non? Ah, France FR, elle est jolie, elle est récente. Hein. Dans le passé, au 2, je crois. Mais c'est ça, je l'avais pas longtemps. Eh ben on va les saluer tous les deux aussi, hein. Tant qu'à faire. C'est vrai qu'ils vont plus voler beaucoup là, j'ai l'impression. Bah ouais.
Bon, mais je vais arrêter mes scopes pour économiser le... Perpignan, SAMU 66, bonjour. SAMU 66, Perpignan, bonjour. La mise en route pour une intervention Nefiat, après Bigas. Ah, je connais bien, j'habitais là-bas avant. Et SAMU 66, poursuivez la mise en route, rappelez prêt. Rappel prêt. Très bon le pilote, très bon. Ouf. Impeccable. Ça se pilote tout seul. Eh, hey, Phil, t'es pas d'accord qu'il est très bon le pilote, il nous a amené à destination. Ah ben oui, il est surtout bon à l'atterrissage. Hein. Ouais. Ouais, mais bon, il fallait que tu le formes ce copilote à l'atterrissage, il fallait qu'il se débrouille un peu. C'est vrai, tu vois, j'étais un peu avancé. Quand j'étais à l'atterrissage, j'étais un peu avancé, mais je me couchais, j'avais peur de s'emmerder. Ah ouais, oh, après c'est des petites corrections quand même. Hein. En latéral non, mais en descente... À 1h59 de... d'audio. Putain, oui, ça bouffe là. Il recule l'avion là-haut. Ah ouais. Bon, bah de toute façon, c'est pas compliqué. Moi, je mets le matos dans le secteur et puis... voilà. Putain, mais t'es pas content. Attends, t'as t'es sûr qu'il va pas s'envoler là? Tout seul, tranquille. Entre les cordes. Hein. S'il faut mettre les cordes, je vais mettre les cordes. Hein. Ah ben, qu'est-ce qui vaudrait mieux là? Ouais. Tiens, parce que. Ouais. On va mettre un peu de pour remettre gros. On va mettre un petit coup de pavonnier. Voilà. On va nous mettre un petit coup de pavonnier devant. Allez, on dirait Bébel. C'est ce que j'allais te dire. Mieux que Bébel. Enfin, si j'arrive à récupérer le truc. Ah, ça y est. Hop là. Vers où tu veux aller? Là-bas, ouais. À gauche. À gauche. Attends, je vais de l'autre côté. C'est bon? Il y a du freinage. Il est où le frein? Ah, il y a du freinage, non? Je sais pas, il est où le frein? C'est quoi le frein? Bah, les pieds. Ah oui. Voilà, là, t'as laissé les freins. Vas-y. Ah, mieux, merci. Voilà, c'est bon. Et ouais. Un.
il est merdique. Hein. Et là j'ai freiné pendant le. Ouais. Je me remets le freine pas, tu vois. Je me mets des cales ici. On aura même la manœuvre avec la caméra. D'escalade. Tu vois, tu prends comme ça. Ouais, tu le mets donc sur le cerf comme tu veux ou comme ça. Ouais. Tu prends ça, tu le mets ici. Tu le ramènes. Et après, tu rentres dans le trou que tu as fait. Et tu reçois en parallèle celui-ci. Là, je peux te dire après celui-ci. Ouais. Tu as la même version en double. Un double passage. Peut-être le mien en bas, parce que ça va pas bien l'air de tenir, mais bon. Je sais pas, vas-y, vérifie, s'il va pas, fais-le. Je suis pas trop. Ah, je suis pas convaincu là. C'est ce qu'on appelle un nœud simple. Le problème du nœud simple, c'est qu'une fois qu'il a été mis en traction, ouais. Pour le desserrer, pas tout de suite. On a fait le parquage. Vas-y, manœuvre, manœuvre. Voilà. Avec les cales, normalement la bombe ne peut pas bouger, mais bon. Bien vu, Gérald. Avec les. Là, on va décoller sur 50 mètres tout à l'heure avec un vent comme ça. Ouais. Hop, allez. Possiblement, ouais. Ah, il va te soulève là. Là, il y avait des lenticules dessus ici. Sur les taffes, ça dépassera pas 30 nœuds en rafale normalement.
Au moment où on a eu là, on n'aura pas pu faire. C'est vrai, c'est au taquet.